Je suis à Auxerre. Comment ça, qu'est-ce que je fais à Auxerre? Bah, en fait, je suis en voyage sur une aire d'autoroute. Et là, on vient de se poser un petit peu, bah, pause pipi, puis pause déjeuner parce qu'il est midi. Je suis parti, donc je me suis levé ce matin, il était 6 heures, après 6 heures de sommeil. La valoche, tout ça, chargé comme un bourricot, mon ukulélé, mes harmonicas, c'est pas ce qui prend le plus de place. Enfin, je vais essayer de faire des images de la région où je vais arriver. Donc, ce sont les Cévennes, dans le Gard, à Pont-Saint-Esprit. Donc j'ai prévu de quoi faire quelques chansons et un peu d'harmonica bah, je vais vous partager tout ça. Enfin, en tout cas voilà, donc on a encore au moins 4 bonnes heures de route, mais c'est sympa. Bon, on est en covoiturage et ça se passe super bien. Voilà, donc je te donne de mes nouvelles bah, un petit peu plus tard, peut-être quand j'arrive sur place. Bon, voici ma chambre d'hôtel. Il paraît que c'est une tente de luxe. Moi, je ne vois pas bien où est le luxe, mais bon, enfin, c'est comme ça, quoi. Voilà, donc c'est un peu du camping sauvage quand même, hein. Bon, voilà, bilan de la toute première nuit sous la tente. Une horreur, une véritable horreur. Donc, j'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Enfin, bon, je suis couché à 2h du matin. À 6h, j'étais déjà réveillé. Je me suis réveillé plusieurs fois dans la nuit en plus. Alors j'ai froid depuis hier soir, je caille littéralement. Il a plu une partie de la nuit, heureusement la tente était fermée, mais bon, je me suis mal organisé parce que première nuit de camping, après ça faisait 25 ans que j'avais pas fait de camping. Évidemment, je suis arrivé en pleine nuit ici, il y a un type qui m'a guidé à la lampe torche pour la lampe torche sur son portable pour me guider jusqu'à la tente, parce qu'en nuit noire, je n'arrivais pas à voir où je mettais les pieds. Il y a quand même 200-300 mètres entre la maison et la tente. J'ai eu froid absolument toute la nuit, j'ai grelotté toute la nuit. Alors j'avais une couverture, mais bon, j'ai pas réussi à la trouver, enfin dans le noir. Bon bref, du coup j'ai dormi comme j'ai pu. Mais c'est une horreur quoi. En plus, alors hier soir, on nous a accueillis avec des gâteaux faits main. Je veux dire des produits naturels, tout ça, mais on a mangé des gâteaux, enfin pas énormément, mais jusqu'à 2h du matin, ce qui fait que évidemment pas habitué, j'ai eu des crampes toute la nuit. Je me suis réveillé plusieurs fois en me disant bon bah c'est pas grave, je suis chez moi, j'ai qu'à aller marcher un peu, boire un verre d'eau, me recoucher. Bah non, je suis pas chez moi, je suis sous une tente, j'ai pas prévu de flotte. Enfin bref, c'est l'horreur quoi. Donc expédition nature. Voilà, voilà un petit tour du domaine. Évidemment, j'ai pris un Steadicam pour filmer sans trembler, mais ça fonctionne pas. Tout va bien. Voilà, nous avons des chats là, ce sont des chats jumeaux apparemment. Ils sont de la même couleur. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. En parlant de gouttes d'eau, voici la douche. Hop là, qu'est-ce que tu fais toi? Comment, j'ai pas le droit de filmer? Si, 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 je te filme quand même. Hop là. Ah, t'es bien grassouillé, toi. Alors, bon. Donc, je disais, la douche est ici. C'est une pompe. Parce qu'évidemment, il n'y a pas l'eau courante. Ce serait trop facile. Voilà. Donc, avec l'arrosoir, magnifique. Alors, sauf que la pompe ne fonctionne pas. Donc, on ne peut pas se laver, là. Génial. Alors, j'ai transpiré toute la nuit, malgré le froid. Et on ne peut pas se laver. J'espère que. Donc, là, on est jeudi. J'espère que je vais pouvoir me laver avant dimanche. Parce que moi, je repars lundi. Et je me vois pas passer la semaine appuyé, donc c'est rock'n'roll quand même, hein. C'est la vie sauvage, la vie en autarcie, paraît-il. On dit souvent, quand on entreprend, enfin moi qui suis entrepreneur, puisque bon, quand j'ai créé l'école internationale d'harmonica, bah, j'avais d'abord créé une entreprise, on dit souvent qu'il faut sortir de sa zone de confort. Bah, là c'est fait, hein, et pas qu'un peu. Enfin bref, donc on est arrivé hier, mercredi soir, vers 20h30. Après 12 heures de voyage, marche plus de train, marche plus de train, plus encore de la marche, plus beaucoup de voitures,
plus un autre train, plus de la voiture. Ah, bon, voilà, 12 heures de voyage. Ouf, nous y sommes. Et voilà. Alors, ce qui était sympa quand même, enfin sympa, c'est vite dit, c'est que j'ai eu très mal au cœur et très mal à la tête sur la fin du voyage. Enfin, une bonne partie du voyage. Je suis monté à l'avant de la voiture parce que j'étais à l'arrière, j'étais vraiment malade comme un chien. Monté à l'avant. Alors en fait, à la radio, j'avais dit, tiens, ce serait bien d'écouter un peu de jazz parce que le boom-boom, là, depuis. Enfin bon, c'était pas du boom-boom, mais la musique me plaisait pas trop. Et puis bon, comme si on avait un chauffeur en covoiturage, je voulais pas trop m'imposer. C'était quand même. Bon, voilà. Et du coup, ah, Louis Armstrong, What a Wonderful World. Ah, j'ai dit super ça. Et alors, après avoir écouté, j'ai un peu coupé la radio, je vais vous faire ma version à l'harmonica. Puis finalement, j'ai fait 1 heure d'harmonica dans la voiture, la dernière heure de voyage. Miracle, mon mal de tête est parti, j'ai plus mal au cœur du tout. Le fait de respirer à travers l'instrument, bah, ça fait que ça a super bien marché, quoi. Hier soir, là. Eh bien, en fait, on a chanté une bonne partie de la soirée jusqu'à 2 h du matin. Donc, c'était vraiment sympa. Alors, je vis des aventures musicales, artistiques vraiment intéressantes. Et ça, au moins, je ne vais pas regretter, quoi. Bon, voici la maison de nos hôtes. Et donc, alors voilà, donc la porte grise, c'est les toilettes, toilettes sèches. Voilà, faire le tour du propriétaire. On va faire le tour de tout parce qu'il y a quand même 7 hectares. Il y a 6 hectares de forêt plus 1 hectare exploité. Voilà la terrasse où nous allons déjeuner ensemble. Les panneaux solaires. Le coin bronzette, le four solaire, voilà. Bon, et l'abri de jardin. Bon, c'est très spartiate ici, hein. Encore une fois, ça me change de mon confort. De citadin.
Bon, je dors beaucoup mieux. J'ai réussi à organiser ma tente. Donc là, ça fait 2 nuits que je passe dans de très bonnes nuits où j'ai bien chaud. Donc tout va bien. Alors par contre, ici c'est très spartiate. Donc c'est la petite maison dans la prairie en gros quoi. Donc il n'y a pas de douche, il n'y a pas d'eau courante. Bon, bref. Du coup, ce matin, je vais me laver à l'ancienne dans une bassine. Alors il faut que je fasse chauffer de l'eau, que je mette ça dans une casserole avec une petite casserole pour me verser l'eau sur le corps, et puis c'est parti, la douche sous la pluie quoi. Donc ça va être une expérience pour moi quoi. Bon, je sais pas si j'apprécierais de faire ça toute l'année, mais voilà quoi. C'est la vie de nomade, donc c'est gros apprentissage de la vie de nomade parce qu'il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de salle de bain, enfin bon, voilà. Donc tout se fait à l'ancienne et chacun se débrouille comme il peut. Donc ça fait un peu Robinson Crusoé, quoi. Alors moi qui ai beaucoup joué à ce genre de jeu, mais là je suis en plein dedans. Voilà. Alors je ne vais pas te montrer comment je me lave, c'est peut-être pas le plus intéressant, mais enfin c'est pour dire que moi qui rêvais depuis un moment d'être prof nomade, alors le seul problème, enfin c'est un problème de taille, c'est qu'il n'y a pas de wifi ici, enfin il y a une connexion wifi mais qui est très mauvaise. Et bon, travailler depuis le portable, c'est pas. Bon, il n'y a pas non plus énormément de connexion. Enfin, il y a certains lieux dans la forêt où il y a un peu de connexion, mais pas beaucoup. Donc voilà, on fait comme on peut, mais pour les prochaines fois, j'essaierai de m'équiper autrement, de m'équiper un peu mieux, pour pouvoir travailler et continuer de te donner des cours et d'être en direct avec toi très régulièrement. Voilà. C'est bien, Darius, c'est bien. Thank you.
Et voilà, c'est ça la vraie vie. La nature, les randonnées, les amis, aucune prise de tête, l'harmonica dans la poche, le ukulélé dans le sac de voyage, ou à côté du sac de voyage, dans son étui, et on se fait plaisir. Il ne me reste plus qu'à avoir une bonne connexion un peu partout où je me déplace, et de te consacrer un peu de temps pour te donner des cours de musique. Et ce sera parfait, une vie simple, comme je l'imagine. Un petit lieu d'habitation, de belles balades dans la nature, des amis toute l'année, et de la musique jusqu'à plus soif. Enfin, pas forcément, mais de pouvoir sortir son instrument, de pouvoir se rencontrer, jouer ensemble, sans prise de tête, Puis continuer d'apprendre, avoir des moments d'apprentissage le matin. En fait, ce qui serait génial, c'est de travailler tout le matin, et puis de se reposer, enfin, pas forcément se reposer, mais se balader la journée, faire des choses dans la nature, tout ça, rencontrer des amis, et puis travailler un petit peu le soir, faire un bon repas tous ensemble, se faire plaisir, Voilà, mon projet de prof nomade commence à prendre essor. Close your mind. Thank you.
la 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 la